Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1. Et il y a de la tension mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Mostafa. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, le ballon est contré. Tardieu. La passe est mal assurée, c'est perdu. Et c'est Thierry Veilla, la réception. Pour le gardien, c'est facile à gérer. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Allez, voilà le premier but du match. Très très vite, l'ouverture du score. Goal! On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Mama Baldé reçoit le ballon. Attention pour égaliser. Oh, il y a encore le feu. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Mostafa. Ça joue avec Sissoko. Et lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre.
Blas. Pedro Chirivella. Avec Moussa Sissoko maintenant. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Il y a une position de hors-jeu sifflée par l'arbitre. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Palmer Brown. Tardieu. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Le hors-jeu signalé là, dommage. Il faut être patient sur ce genre de passe. Il faut prendre le temps de bien la mâcher. Super progression dans la moitié adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. La faute. Et l'arbitre là qui indique un coup franc. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Bonne intervention pour éloigner le danger. Elle est cruciale cette parade. Avec un but d'écart, c'est encore jouable. Deux buts, ça aurait été plus difficile. Et peut-être que cette parade, ça leur a fait l'effet d'un coup de fouet. L'orientation vers Mama Baldé. Bonne intervention, la passe est interceptée. L'action continue, c'est une bonne séquence. Centre au premier poteau. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Ouh, la mauvaise relance, là. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Pas de jaune sur cette action, mais une simple faute signalée. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui les concerne, parce que franchement, le jaune n'aurait pas été de trop. Pour marquer de cette distance, il faut s'appeler Omar Da Fonseca. Oui, moi je l'ai placé dans la lucarne. Ballon rendu à l'adversaire. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Aucune prise de risque, le ballon est dégagé. À faute, l'arbitre siffle, coup franc à venir. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ah, le danger est parfaitement repoussé. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale, mais la possession sans la décision à la fin, ça ne sert pas à grand-chose. Ça reste une domination stérile qui ne parvient pas à susciter du danger. Et oui, et c'est au fond. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment, le match est relancé. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche
avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Pardieu. Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Ah, c'est bien joué, très bonne intervention pour écarter le danger. Salnier. Ah, le ballon est balancé là pour se sortir du pressing adverse. Le ballon change de camp. Oh, et c'est bien servi. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée de prendre ses responsabilités et de frapper au but. Il y avait la puissance, mais à cette distance, très compliqué. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Allez, voilà le premier but du match. Très, très vite. Ça joue avec Sissoko. Et lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Tardieu. Avec Moussa Sissoko maintenant. Ça sort en touche. Kouamé. Ah, il perd ce ballon. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Oui, bien fait, le danger est repoussé. Mabaldé reçoit le ballon, il est en bonne position et quelle intervention! Pedro Thierry Veya avec Nicolas Palois, avec Moussa Sissoko maintenant. C'est un ballon qui est récupéré. Ripa. L'action se poursuit dans le camp adverse. Le ballon ne passe pas, c'est bien défendu. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc.
Oui, c'est bien joué. Au deuxième poteau. Oh là là, dégagement complètement loupé. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Mostafa avec Moussa Sissoko maintenant. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Pardieu. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Et le centre vers le second poteau. Et c'est capté là sans trop de problème. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Ah, le changement est demandé et il a lieu. Thierry Veya avec Moussa Sissoko maintenant. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Ah non, ça ne marche pas. Ballon rendu à l'adversaire là-dessus. Mama Baldé. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Sans aucune difficulté pour le gardien. Baldé. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Oh, il y a danger là. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Cornea. C'est dégagé, aucun problème. Il dépose l'adversaire là. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Un bon jaillissement pour bloquer le centre et éloigner le danger. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes, l'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. C'est incroyable, sans doute l'arrêt du match, le gardien sort vainqueur de ce duel. Oui, l'attaquant avait bien pris la profondeur, mais il manque son face-à-face. Pourquoi pas, ça joue court. Le centre dans la surface, il y a du monde. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ah, le contre est possible. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, la contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. La faute, l'arbitre siffle, coup franc à venir.
Et voilà, c'est un changement donc. Bon pressing, très bonne récupération. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. L'enjeu est important, le moment aussi. Il faut aller chercher le but décisif. Ah, il faut lui proposer des solutions. Et ballon renvoyé, l'action continue. Et but ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Voilà, c'est confirmé par le quatrième arbitre. Nous jouerons 3 minutes supplémentaires au minimum. Thierry Veya. C'est maintenant, c'est le moment pour aller marquer, pour aller tenter d'égaliser. Ouais, c'est récupéré très haut ça. Et c'est donc la fin du temps réglementaire et donc 3 en poche les 3 points. Une victoire dans la douleur. Et qui est finalement arrivé en toute fin de match avec ce but de la délivrance.